Salut les loups, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour arriver à communiquer avec son cœur parce que pas mal de personnes m'ont dit avoir des difficultés pour pouvoir arriver jusqu'au cœur. Du coup, je vous propose cette méditation relativement courte à faire quotidiennement si vous le souhaitez pour pouvoir arriver à mieux communiquer avec votre part divine. Vous vous asseyez confortablement sur une chaise, vous posez vos deux pieds bien à plat sur le sol, pieds nus. Posez vos deux mains sur vos cuisses et vous fermez les yeux. De là, vous visualisez une petite porte ici, au niveau du plexus du cœur. Vous devenez tout petit et vous êtes face à cette porte. Il y a un long chemin pour y arriver. Vous marchez tranquillement sur le chemin et vous prenez le temps de voir tout ce qu'il y a autour. Pour moi, c'est un monde assez féerique. Il y a des dragons, il y a de grands ravins de chaque côté du chemin, et c'est un chemin qui est suspendu. Et la porte du cœur est en fait une porte d'un immense château. Après, vous pouvez visualiser ce que vous voulez. Mais sachant que vous êtes divin, choisissez une maison du cœur qui soit divine. Vous marchez sur ce chemin, vous n'êtes plus très loin. Vous êtes seulement à quelques centaines de mètres de la porte. Vous accélérez un petit peu le pas, puis vous vous retrouvez devant la porte. Vous posez votre main droite sur la poignée de la porte. Vous sentez sa texture. Son matériau. Si la poignée est chaude ou froide. Si la poignée est lourde. Puis vous poussez la porte. Essayez de remarquer s'il vous est difficile ou facile d'ouvrir cette porte. De là, vous rentrez dans la demeure du cœur. Prenez le temps de regarder la décoration, ce qu'il y a au sol, au plafond. Prenez le temps de voir comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, si vous avez un peu peur, si vous êtes totalement apaisé, joyeux, mettez des mots sur vos sensations. Vous avancez au fond de la salle. Vous pouvez prendre le temps d'abord de visiter si vous le souhaitez. Quand vous aurez fini, vous avancez au fond de la salle et vous regardez le trône. Il y a un immense trône au fond de la salle. Vous ne voyez pas très bien, vous êtes encore trop loin. Alors vous avancez doucement vers le trône. Mais vous savez que c'est un trône parce que d'ici il brille. Vous sentez une énergie bien plus puissante que celle que vous avez connue jusque-là. Plus vous vous approchez du trône, plus l'énergie devient puissante. Vous sentez qu'elle vous pénètre et qu'elle change votre vibration. Vous sentez que votre vibration augmente, que plus vous vous approchez, plus votre corps entier vibre fort et haut. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous approcher, pour vous habituer à cette vibration qui est différente de la vôtre. Prenez votre temps.
une fois que vous êtes en face du trône, regardez qui se trouve dessus. C'est vous. C'est vous, mais votre part divine. Votre part énergétique. Votre part toute puissante. Celle qui n'a jamais peur de rien, qui est tout le temps amour, qui sait quels sont les choix qu'il vous faut pour votre évolution. C'est vous, bien plus beau, bien plus immense et lumineux que vous ayez jamais pu vous imaginer. Avancez encore et laissez-vous prendre dans les bras par ce vous que vous n'aviez jamais rencontré. Vous pouvez faire le mouvement pour vous prendre dans les bras. Serrez-vous fort dans les bras. Sentez cette énergie qui rentre en vous. Ces énergies des deux vous qui se mélangent. Le vous physique et mental et le vous du cœur, donc votre conscience, votre part divine qui a une vibration extrêmement haute et extrêmement amour. Prenez le temps qu'il vous faut pour rester dans vos bras. Prenez l'énergie nécessaire. Le cœur se rechargera quoi qu'il arrive, donc vous pouvez prendre tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous êtes pleinement rechargé, que vous avez pleinement ressenti le cœur, juste le cœur, vous avez pu voir qu'il n'y a rien d'autre autour. Quand on est avec le cœur, plus rien n'existe. Il n'y a même plus de salle, plus de château, plus de chemin. Juste le cœur et vous. Quand vous avez pleinement profité de ce moment avec vous-même, vous pouvez ressortir de la salle et reprendre le chemin en sens inverse. Au bout du chemin, il y a votre corps physique qui vous attend. Le chemin est bien plus court qu'à l'aller. Vous avancez relativement vite, pressé de retrouver votre corps physique et de pouvoir profiter pleinement avec le mental de cette nouvelle rencontre. Vous revenez à votre corps physique, vous ouvrez les yeux, vous reprenez possession de votre corps. Prenez conscience de vos pieds qui sont sur le sol, de votre main, de vos mains qui sont sur vos genoux. Et prenez conscience de chaque appui si vous êtes assis sur une chaise. Ressentez chaque os de vos cuisses et de vos fesses, de votre dos qui appuie sur la chaise. Sentez vos pieds sur le sol, la fraîcheur du sol, la douceur du tapis. Sentez tout ce qui vous entoure. Avec tous vos cinq sens. Une fois que vous avez fini cela, vous avez fini la méditation. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez réussi à rencontrer votre cœur, sachant que si ça ne fonctionne pas du premier coup, je vous invite à refaire la méditation jusqu'à ce que votre visualisation se soit affinée et que vous puissiez vous voir correctement. À très bientôt.